Dans son travail facilement, voilà. Donc je souhaite que ça continue comme ça, que ça ne s'arrête pas, et je souhaite que tu restes le garçon sincère que tu es, parce que Dimitri est très sincère. Dimitri, lui, quand il a quelque chose à te dire, il te prend et dit que voilà, comme ça, comme ça. Donc voilà, joyeux anniversaire à toi, notre réalo de Pacotti. Voilà, joyeux anniversaire à toi, Dimitri. Moi, donc je viens encore te dire de croire en tes rêves et ne baisse jamais les bras, même si c'est que ça ne va pas. Continue à croire que tu vas avancer, continue à croire que tu seras un grand réalo dans ta vie. Donc malgré tout ce que les gens vont te dire, malgré tout ce qu'on va te dire, les injures et tout, crois en toi en fait. Crois en tes rêves. Il faut voilà. Croire en toi. En fait, tu me dis les cheveux. Avec, moi ce que je vais dire, c'est je t'ai joyeux anniversaire à Dimitri, quoi. Et mon rêve le plus cher, c'est que tu deviens mon réalisateur de Pacotti. Non, c'est pas qu'il va l'employer, mais tu es dans le pays.
Cadeau parce que tu en as besoin. Wow. Ouais, tu as besoin. C'est un iPhone XR. C'est voilà. Wow. You want a bumper? You want a chair with a big bus? Now the market is in the market. I'm going to put the big bus. Bon, le truc, c'est que chacun dit un mot. Ce que je peux dire, c'est que je t'ai rencontré sur Internet. Oui. Première fois que tu m'écris sur Internet, c'est parce que tu veux travailler avec moi. J'ai pas voulu. Et je pense que tu as mal pris. Et il est devenu un détracteur. Il m'a écrit sur Internet, il voulait travailler avec moi. Je l'ai ignoré. Il est devenu un détracteur. Oui. Et je pense que dans une vidéo, Laetitia a dit, quand un joueur m'a dit comment elle était, il est devenu un de mes détracteurs sur Facebook. Tu es en train de critiquer ce que je fais, tu joues en train. Par contre, je montrais à Laetitia. Laetitia connaissait à Dimitri à deux noms sans le connaître. Et dans le petit frère, il cherche même quoi derrière moi. Toujours en train de me critiquer ce que je fais. Toujours. Mais le destin a voulu autre chose. C'est qu'un jour, on s'est rencontrés. Un jour, on a un peu sympathisé. Et un jour, j'étais appelé. Il était dit, est-ce que tu veux le travail? Voilà. Donc, c'est en fait un peu ça. Donc, heureux anniversaire. Ne pleure pas. On est mieux. Et comme Béa dit, faut croire en toi, d'accord. Faut croire en toi. Et un matin, la famille Soleil t'a accueilli parce que on a vu en toi quelqu'un qui tu es arrivé d'abord comme technicien, voilà. Et avec le temps, tu as intégré la famille. Voilà. Faut croire en toi. Reste positif et tout, d'accord. D'accord. Reste positif. Dans tes agissements. Et ne manque jamais de dire ce que tu penses. Et tu le fais, Laetitia l'a dit. Quand tu penses quelque chose, tu le dis. Voilà. Garder dans le ventre quelque chose, ça fait avoir la constipation. Voilà. Là, c'est toi-même. Voilà. Et fais tout, toujours aussi, pour partager la bonne humeur autour de toi. D'accord, tu as compris? D'accord. Voilà. C'est ça. C'est très important. Là, c'est positif et tout. Voilà. Tu seras toujours. Actuellement, tu es mon petit, tu es mon fils, tu es mon collaborateur. J'espère que demain, tu seras un partenaire. Et c'est demain, tu seras indépendant. Voilà. D'accord. En fait, quand Laetitia m'a appelé, tant que j'ai un problème, et j'ai couru pour lui dire, il savait que le boss était déjà fâché. Quand j'ai sonné, quand Laetitia attendait à m'ouvrir, il croyait que le boss disait que nous voulons, il faut qu'il rentre. Je vous dis entièrement merci. Que Dieu vous bénisse. Et je vous promets d'être toujours le Dimitri que vous avez connu. Jamais changé et toujours être serré dans le travail. Bon, d'accord, merci. Je t'en fais ces 10 000 parce que tu en as besoin. Bon, Dimitri doit couper son gâteau. Tu coupes alors.
Le téléphone, et on va commencer. Tu vois, que c'est réaliste. Voilà. Voilà. Maintenant, tu es dans la cour des iPhoneurs. L'argent que tu gardais pour acheter un iPhone, c'est pour tuer. Voilà. On va chanter pendant que tu coupes ton gâteau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Dimitri. Joyeux anniversaire. T'as vu ce ton gâteau? Voilà. 26 ans validés. Voilà. Roxane et Freddy coupent alors le gâteau. Après, quand Freddy va finir de se remettre de ses émotions, on va aller tourner. Parce que oui, c'est notre jour de tournage aujourd'hui, mes soleils. Voilà, on est très content parce que Dimitri est content. Et voilà. Après, on va enjoy maintenant l'anniversaire. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que la deuxième. En fait, non. Le truc, c'est que Dimitri a dit bon, pour l'anniversaire, on a demandé à Dimitri pour ton anniversaire, tu souhaites qu'on fasse quoi? Dimitri a dit ah, je ne connais pas moi. Faites aussi comme vous voulez. Maintenant, on a dit que bon, on ira prendre une bière. Après le tournage d'aujourd'hui, il a dit il n'y a pas de problème. Mais on a voulu faire ça en deux phases. La première phase, c'était la phase du gâteau. D'abord, l'accueil avec. Et après, maintenant, on ira faire la fête. Voilà. De rien. Happy birthday. Bon, messieurs d'amour, on vous laisse. Vous prenez bien grand soin de vous. Demeurez dans la positive attitude. Demeurez dans la soleil. Attitude, la zen attitude, la William attitude. Je vous ai dit que je vais vous expliquer ce que ça veut dire plus tard, la William attitude. Donc voilà, on est très contents. Moi, je suis contente. Bon, le gâteau est bon, non? Oui, ma. Ok, d'accord. Bisous, on vous aime très fort. Mouais.